Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très très courtois dans vos commentaires. Alors, aujourd'hui, nous allons faire encore un petit détour du côté de la Guinée-Conakry où Mamadi Doumbouya limoge le coordinateur des renseignements. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement en Guinée? Après la tentative d'évasion de Dadis Camara et si le 4 novembre, Moussa Dadis Camara, qui a bel et bien été retrouvé et ramené à la maison centrale avec Thioboro et Blaise Gomont, en ce qui concerne Claude Pivi, ce dernier serait toujours en cavale. Après ce forfait, le colonel Mamadi Doumbouya s'est lancé dans une série de limogeages et de radiations des officiers supérieurs et l'arrestation des gardes pénitentiaires. Aujourd'hui, c'est retour du limogeage du coordinateur des renseignements. Jusqu'ici, coordinateur des renseignements, Ansoumane Camus Camara a été limogé ce mardi 14 novembre 2023 par le colonel Doumbouya. Le décret a été lu sur les ondes des médias d'État. Par ce même acte, le président de la transition a nommé à ce poste le colonel Sekou Tidiane Camara, matricule 1561-6J, en service à l'état-major général des armées de terre. On comprend donc que le dispositif sécuritaire guinéen est menacé. Il faut faire du grand ménage. Eh bien, les amis, c'est ici que prend fin cette petite bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.